Au calme. Ça m'étonne même pas que Jasquier ait hérité de Maraput, quoi. Ce salaud. C'est un gigolo pour moi, ce mec. Ça a toujours été un gigolo. Avec ses poésies, ses musiques. Il me tue, ce Jasquier. Le design est pas mal, hein, j'avoue que. Le design est vraiment est différent, mais. Il n'y a pas de souci, Iceman. Merci infiniment du soutien. Bienvenue à toi et profite en plein. J'espère que tu profiteras pleinement du jeu. Comme je suis en train de kiffer, mec. Que proposez-vous? Je savais qu'il avait des cartes. Je sais pas pourquoi je le sentais. Au plaisir. Jasky est un bar à pute, quoi. LOL, l'originalité. Il est où? Vous avez ça une vie, sorceleur? Qu'est-ce que tu veux? Un sorceleur? Ah, vous venez pour l'annonce, peut-être? Pas vraiment. Mais de quoi s'agit-il? Vous êtes sur le départ et vous cherchez un compagnon de voyage, c'est ça? Je veux traverser la mer, oui. Je me suis engagé dans l'infanterie en 1242. J'ai promis à Madus l'état que je reviendrai en vie, et avec une perle de Skellige. Et pas n'importe quelle perle. Une perle noire, la plus rare et la plus précieuse de toutes. Ma foi, c'est ambitieux. Oui, mais je n'ai jamais tenu parole. Je suis revenu de cette guerre-là et de la suivante, mais je suis rentré les mains vides à chaque fois. Il est temps de changer ça. Le problème, c'est que, comme vous voyez, je ne suis plus tout jeune. Je vais avoir besoin d'aide, d'une épaule forte pour me soutenir. D'une épaule comme la vôtre. Qu'en dites-vous? C'est un plan un peu fou. Et j'avoue que ça me plaît. Si vous avez de quoi me payer, je suis votre homme. Ne vous en faites pas pour l'argent. J'ai rapporté une petite fortune de mes campagnes. Je vous retrouve à Skellige, près du pont effondré d'Arinbjorn. C'est à deux pas de l'endroit où on trouve des perles noires. Ça vous va? Ça me va. À plus tard. Donc il dit Jaskier, il dit aussi Zoltan. J'espère qu'on aura l'occasion de le croiser. Ah oui, c'est vrai, c'est l'endroit où c'est que résident les non-humains. Pourquoi j'essaye d'aller dans des endroits alors que la porte elle doit être devant, tu vois? J'essaie à chaque fois en fait de passer par des endroits chelous. Alors que s'il doit avoir une porte. Plus les pieds ici, bande de rats puants. Ah, c'est Zoltan ça. Non? Je le savais. Je le savais. J'enfonce les jambes dans le cul jusqu'à les voir ressortir. J'ai reconnu sa voix 10 000. Il me tue. Geralt, tu tombes à pic comme toujours. Ah putain, le design. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui était ce type? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croit chez eux.
Salut, Def. J'ai l'air de faire un bras de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Avec plaisir. Comme au bon vieux temps. On peut pas sortir les épées? Vous n'apprendrez donc jamais. On peut pas sortir les épées, merde. Je savais que t'allais dire ça. C'est comme si on n'avait jamais quitté Verdien. Il avait bien dit qu'il fallait pas venir ici. Je me tape bien une pinte. Bon, voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paye, mon ami. Salut. Tu as l'air en pleine forme. En fait, allez. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? J'ai quelques problèmes. Mais je ne veux pas t'embêter avec ça. Tu te fous de moi? Crache le morceau et plus vite que ça. Je cherche Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon, ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. J'ai connu des jours meilleurs. Attends, laisse-moi deviner. Triss? Yennefer, peut-être? J'ai parlé à Triss. Nous avons mis les choses au clair. Quant à Yennefer, eh bien... Ah, tu l'as retrouvée, alors. Raconte-moi tout. Et une prochaine fois, promis. J'ai un problème plus urgent à régler pour le moment. Ce qui veut dire? Où est Jaskier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jaskier, la taverne remplie de soulards, nage en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jaskier passe le plus clair de son temps. J'aime trop les conversations philosophiques qu'entretient Gérald avec Zoltan. Ah, une lettre d'une muse reconnaissante. C'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le sang me monte à la tête. Oh là là. Je plonge dans une insondable extase, enivrée par ton nectar. Oh mon Dieu. Tes doigts agiles font vibrer les cordes de mon âme. C'est un fou ce Jaskier. Il me tue ce mec, je te jure. Il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît le fruit de la vigne comme Jaskier. Le poster de Jaskier en mode guerrier. Oh putain, il me tue, là. Dix tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Soden. Aucun intérêt. Aja pour bébé. Non, attends. Merci infiniment, Dev, pour le soutien, frérot. Cherche. C'est son agenda. Bonsoir, Blader, je suis level 13. Son agenda? Jaskier prend son rôle au sérieux? Merci infiniment, Dev. C'est pas de le dire. C'est presque devenu une obsession chez lui.
Et merci pour ton petit message, ça fait plaisir, frérot. Il a arrêté de se taudir, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Hé, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Ça m'étonne. On peut chercher par là. Baratineur comme il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va ? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors ? Ça t'étonne vraiment ? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Il écrit tout en vers et tout. Je te dis, le mec, c'est un poète dans l'âme, quoi. Il en peut plus de la poésie. Il y avait pas un étage. On va déjà fouiller. Ah mais carrément c'est ok. Ok, rien de très intéressant de ce côté là. J'ai vu qu'il y avait un sac, mais bon. En soi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de fouiller tous ces endroits en vrai? Toujours des babioles inutiles qu'on devra dés après par la suite. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale de la civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. J'en ai marre de lui. Il me tue. Fleur brisée. Ah, il faut d'abord que je parle de Nathan. T'es encore là? Tu cherches quelque chose? Regarde juste s'il manque rien. Ces ordures seraient bien capables d'avoir barboté les trucs de valeur. Prends ton temps. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Oh là là. Merci beaucoup, Blader. Tout est dans la description si tu cherches. Elle aime la soie et la dentelle. Mes foins ne la rebutent pas, pourvu que l'étreinte soit douce. Wesh, Miguelito, tranquille, Barry. Molly, c'est une domestique de la baronne de la Valette. Il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même. Je sais qu'il n'est pas sectaire, tu le sais aussi bien que moi. Comme il dit souvent, dans l'alcôve, nous sommes tous égaux. Oui, et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Ouais, c'est dans le 2, la Valette, ouais. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il en pince pour cette marabelle. Ça m'étonnerait. C'est une ancienne élève. Et une sacrée diablesse au lit. Je préfère ne rien savoir. Ça vaut mieux, crois-moi. Entre ces deux-là, les choses ont fini par mal tourner. Ce qui veut dire? Elle lui faisait porter des costumes de bouffon. Elle l'appelait Christian, et l'obligeait à l'appeler Anastasia. Lol. Ouh là là, quelle perversité. Attends, c'est pas fini. Un jour, elle l'a appelé mon étalon. Lui, bien sûr, il était tout flatté. Jusqu'au moment où elle a sorti un mort et une bride. Je peux te dire qu'il a pris ses jambes à son cou. C'est con, ce mec. Rosa. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. Son nain? Je ne savais pas Jasquier si modeste. Le nain, c'est le nom gros avarâtre donne à son gouir. Elle a de l'humour, la petite. Je pense que c'est son elle. Père était un aristocrate Nilfgaardien de la délégation impériale. Jasquier était censé enseigner l'art de la rhétorique à Rosa et à sa sœur. Mais Rosa préférait l'escrime.
Comment ? Elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes ? Pas qu'un seul, apparemment. Chaque semaine, elle démolit un nouvel instructeur. À tel point qu'ils finissent par démissionner. Et son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime. Pardon. Professeur. C'est pas elle ? Rosa ? N'est-ce plus là ? Ça me dit quelque chose. Ce n'est pas elle qui l'avait jeté dehors, les fesses à l'air ? Oui, ça aussi. S'il sort un jour, oui, Erwan. Et qu'il avait traité de goujat à la voix de Fausset, dénué de la moindre once de talent. Oui, ça aussi. Et lui avait jeté des pots de fleurs au visage. C'est ce qu'on appelle l'amour vache. Silhouette divine, jumelle créature, bien folle qui prétend connaître sa nature. Eh bien, on dirait que Jaski est tombé sous le charme. Pas étonnant. En général, les femmes elfes me laissent de glace, mais celle-ci est exceptionnelle. Francesca Findaber n'a qu'à bien se tenir. Je te la laisse si tu veux. C'est gentil, mais non. Pourquoi ? La beauté elfique, c'est comme le bon vin. Faut savoir l'apprécier. Moi, je préfère une bonne vodka cul sec. Elial et Rosa. Bon, je crois que c'est tout. Merci pour ton aide. Et si c'est... Alors, qu'est-ce que j'en sais où se trouve Vespula, Vespella ou... Ils te le disent ou pas ? Ils disent rien du tout. Les faubourgs. Tu avais promis au petit bâtard de tout. Je vais payer jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon... À l'aide ! Inutile de crier et rouler. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être ? Ouais, shotgun, ça vaut quoi ? Pas. T'approche pas, Grison, c'est pas ton problème. Vespula a changé de protecteur. Vraiment ? Et c'est qui ? C'est moi. Mes tarifs sont bien plus intéressants. Ah ouais ? On va voir si elle a gagné au change, alors. Tu es les sorcellers. On s'en sort. Juste on s'est enculé. La prendre d'une succube. Oh, j'avais pas vu lui. Tu vas crever comme un pour rien. Ne me remerciez pas, surtout. Désolée, je ne suis pas une ingrate. Merci de votre aide. Mais... J'ai tout perdu. Vous avez peut-être oublié, mais... On se connaît. Mais oui, c'est vrai. Vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand... Le jour où... Le jour où vous avez fait passer Jaskier par le balcon, c'est bien ça, oui. En fait, c'est lui que je cherche. Vous savez où il est ? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Bon.
Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Cette femme sur les quais, vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Jasquier vous a posé des questions sur les autres lavandières. Je les connais plus subtiles. Peut-être qu'il aime la mousse, allez savoir. Oui, enfin... Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Rien de précis, en fait. Comment ça se passait au lavoir, qui étaient mes amis, leurs horaires de travail. Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne. Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Bonne nuit, Tom. Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur, mais que... qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Ok, on va pouvoir équiper toute cette armure. Level 14, on va pouvoir mettre un point aussi. Je vais commencer un petit peu à utiliser des points dans Quen ou Irden. Où je commence un petit peu. Il faut que je commence... Oh, j'avais pas vu ça. Dans les alchimies, ça se passe comment au niveau des... Draconite améliorée, c'est bien ça. Nice. Pas mal de trucs intéressants. Sang noir. Le sang du sorceleur inflige des dégâts aux vampires et nécrophages qui le blessent. Le chat est associé à un sort, je crois. Ah bon? Il est où? J'ai pas dû bien comprendre ta question. Bonne nuit, KSP. Merci, Ouli, pour l'explication. Ça va ou quoi, Ouli? Tranquille? Ouais, ça y est, on avance un petit peu, ouais. On avance un petit peu, Onza. Alors, je me tâte juste pour 2-3 petits trucs. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? J'aimerais bien augmenter aussi un petit peu en alchimie. Ça peut être bien, quoi. Chaque pièce d'armure légère augmente de 25% les dégâts de par coup critique et de 5% les dégâts de vos attaques rapides. Ça peut être vraiment très intéressant. Ça peut être très 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 intéressant.
Mais pour le coup, il va falloir que j'augmente aussi un petit peu. Oui, on peut reset l'arbre de talent, ça coûte 1000 ourés, 1000 couronnes, pardon. À Chrome, et bonsoir à toi. C'est intéressant ça, le coup de l'huile là. Ça, je m'en fous. Ça m'intéresse bien ça, tu vois. Lorsque vous blessez un ennemi avec une lame enduite d'huile, vous avez 3% de chance de l'empoisonner. 3% de chance d'empoisonner la cible à chaque coup. Entre parenthèses, la probabilité augmente en fonction du niveau de huile utilisé. Durée de l'effet de la potion, plus 5%. C'est pas mal, ouais. Franchement, ça c'est un truc qu'il faudrait que je regarde un petit peu en alchimie, c'est vrai que je me suis pas beaucoup concentré. Là je vais plutôt partir sur du coin. Je pense que je vais partir sur du coin, ouais. Ok. Ok, par contre je suis à combien là? 5%, 5, 5. Dommage que je peux pas augmenter encore. Là au-delà, je suis à combien là? Je suis à 10%. Il n'y a pas plus de 10%. Si je l'enlève, attendez, je vais regarder juste un truc. Non, les mutagènes, tu peux pas encore les changer, fais chier. Pour 5%, c'est peu quoi. C'est très peu. Ça dépend, Oli. Tout à fait, Erwan, ouais, les vers sont des basiliques, tout à fait. Manu Padol. Mort de rire, Yoko. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était censé être mon jour de repos. C'est pas grave, il n'y en aura pas cette semaine. Hein. J'ai oublié de faire un truc intéressant, plus que tout même. C'est de mettre ma fameuse armure. Donc là, ça y est. On passe avec le fameux équipement du chat, si je dis pas de conneries. C'est ça, ouais, l'école du chat, tout à fait. Au calme. Au calme, ça fait vraiment plaisir. Donc en DPS, en arme en acier, je suis à 478, 712 en arme d'argent, ok. Armure 212, ouais, tu m'étonnes. Donc ces armes font quoi exactement? Chance d'infliger des saignements, expérience supplémentaire sur les humains et les non-humains, intensité sur le signe hard, chance d'infliger du saignement, 20% d'expérience en tuant des monstres. Ok. Je me tâte. À mettre du gel. Je me tâte à mettre du gel. Du coup, vu que j'essaye d'augmenter un petit peu Quen, je pense que ça serait intéressant de mettre du Quen là-dessus. J'ai pas regardé ce que faisait le
Dégâts perforants, dégâts tranchants, résistance élémentaire, résistance élémentaire, résistance élémentaire, d'accord, c'est vraiment full dégâts le truc. J'en ai aucune idée, Abaddon. Non, la balette, je l'ai pas fait, elle est level 29, gros. Je suis dégoûté, frère. J'ai déjà toutes mes arbalètes pensant que j'allais l'équiper direct, mais non. Je comprends pas bien ce que ça veut dire le chancellement. Allez, on va se baser sur les dégâts de froid un petit peu pour changer. Le temps était à l'appui et ça n'a pas manqué.